Alors, je me présente, je suis Muriel Kakudeto. Je suis enseignante, je suis mariée et mère de deux petites filles. Je suis passionnée de littérature, de cinéma, de culture, d'éducation et de mode. Je dirais que c'est un peu mon histoire. Parce que j'ai vécu entre trois pays, donc la Côte d'Ivoire, la France et les États-Unis. Et à chaque fois que l'on voyage, qu'on se retrouve sur une terre étrangère, on se dit toujours que l'herbe est plus verte. Voilà, qu'on trouvera des choses différentes. Certes, on trouvera des choses différentes, mais l'histoire d'Adjoa, c'est de nous montrer que le plus important est donc d'avoir autour de soi des gens que l'on aime et être proche des siens. Parce qu'on peut aller au bout du monde, on peut aller partout, mais si on n'a pas l'amour, je pense qu'on peut passer à côté de quelque chose. Et aussi, j'ai voulu mettre en avant la culture ivoirienne, en parlant aussi de la basilique, parce que quand elle est à l'étranger, elle rencontre une étrangère qui lui parle de la basilique de Yamoussoukro. On parle aussi du pont de Liane, donc de Mans. Et j'ai aussi voulu montrer que la Côte d'Ivoire regorge de richesses culturelles. Alors, Adjoa, c'est la couronne. Adjoa, c'est une rêveuse, c'est une aventurière et c'est une conquérante. Et Aou, c'est la petite princesse qui la porte. Aou, c'est une exploratrice, elle est pleine de vie et intrépide. Oui, lisez cette belle histoire, lisez, chers parents. Parce que à travers cette histoire, vous allez faire découvrir des lieux culturels et touristiques à vos enfants. Vous allez aussi leur faire savoir que voyager ouvre l'esprit et que c'est très important de voyager, mais c'est aussi très important de toujours être auprès de papa et de maman.